Vous m'étonnez. Bon, voilà, voilà, voilà ce qu'on fait, les gars. Sly, le sujet d'aujourd'hui pour notre chaud pas chaud, c'était quoi? Alors, on va rappeler le sujet, elle va donner son avis, on va boucler le sujet. Ouais. Si toi ou ta partenaire est sans manière, tu continues ou tu arrêtes la relation? Après, ça dépend des manières. Des manières, oui. Mmh. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas du tout. Apparemment, tu en as vécu. Je t'ai dit, viens, on va aller chez mes amis. Est-ce que tu as oublié de parler quand ils parlent là-bas? C'est pas facile. C'est pas ce qu'il disait ici, là. Alors que tu sais souvent que tu mets lui à la place de lui. Tu connais les choses comme ça. Yeah. Oui, oui. Tu déposes la personne. Je vais la saluer, je vais lui dire la vie que. Mais personne là, j'en sers ça en privé. Parce que je t'aime. En plus, c'est en public. Et puis, il a les mix façon là. Et puis, tu viens, on dit, ah, ça fait ta malade, je l'avais dit. Tu l'avais dit comment? Mais je l'avais dit. À quelle période tu l'as dit? C'est pas vrai. Tu vois un peu. Et puis après, ça va être celui qui s'exprime super bien, mais qui n'a pas de tenue parce que quand il est au milieu, déjà, il est très désagréable. Ouais. Dijon. Tu vois? Toi, tu veux que je donne. Dijon. Mais en même temps, moi, je ne sais pas si ça, c'est sans manière. Bon, ça peut être l'éducation aussi. Vouloir bien faire, puis tu gâtes un peu. Par exemple, le monsieur, il prend sa chérie, ils vont à l'hôtel, passer, tu vois. T'as un hôtel aussi, hein? T'as un conférence de presse. Hôtel, on fait conférence de presse là-bas. Donc, ils vont à l'hôtel, ils passent une belle nuit et tout. Le monsieur se lève matin, il ne voit pas sa chérie. Il entend dans la cour là-bas, tchouaï, elle est en train de balayer l'hôtel mal. Elle a balayé la cour là jusqu'à la réception. Hey, Suzanne. Aïe, elle a grandi au village. Et puis, il y a une mauvaise manière au village que j'ai dit que j'aime pas. Vous invitez les gens au restaurant. C'est pas de bonne manière. Quand on finit, on fait quoi après? Ça, c'est pas de bonne manière. Merci. On devrait faire quoi? Mais on laisse rouler la soirée. D'accord. Mais on finit de manger en même temps. On fait quoi? C'est pas la suite. C'est quoi la suite? Allons se reposer. Non, justement. Ça fait le doyen là. Ils ont fini à ça. Quand ils ont donné du sou devant moi comme ça, à Yopougon. Ils finissent de manger et puis ils disent à la chérie, allons se reposer. Est-ce que moi t'as dit si fatigué? C'est pas vrai. Comme ça. Parlable de ça là. Mais on fait quoi? On a fini de manger là. Et puis, moi, vite, vite. Il est prêt. Quand tu prends ton temps, lui, moi, vite, vite, comment? Il est prêt. J'ai dit, mais je vais prendre un dessert quand même. Il est une mission. Il dit, tu voulais prendre un dessert. Ça y est, maman l'attend là maintenant. C'est ça? Ah, ça. Ok, voilà, vous l'avez remarqué, très très belle ambiance par ici dans le grand show. C'est en compagnie de Sly. De Sly, on va écouter Tout va bien, on se reprend juste derrière après la pub. Soir du lundi au vendredi 18-20 sur les frères Dieu, comme tu l'entends avec la team show de Ricky, modérateur et Guy, pas comme Somien, localisé sur la 107.7. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sly, Est-ce qu'on peut faire des applaudissements très nourris tout pour Sly, madame, tout va bien, tout va bien, ça paie, tout va bien. Ok, allez, là, nous allons amorcer la rubrique du modérateur de la modération de la modégane depuis le laboratoire supposé galéen. Rubrique au coup de laquelle il fait son show, voilà. Des vignettes, acrostiches, des blagues, de bonnes doses d'humour, de rigolade. Et c'est maintenant avec le modérateur. Une chose sans frein. Modé, go. Ouais, pour aujourd'hui, on va faire des devinettes. Et donc là, ces devinettes vont s'adresser directement à notre invité du jour. Voilà, donc vous êtes je peux dire des suppléants. Je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est-à-dire que quand ça va chauffer sur elle, vous allez lui donner des indices et tout. Et après, si elle ne trouve pas, moi, je vais lui poser un gage. Voilà, laisse que c'est débrouille. Elle se gage, son tout. C'est facile pour elle, c'est facile. Est-ce que les gens savent que tu as pas tes vestes pour faire l'émission? Nous sommes en direct. Sly, ça va. Ok, Sly, ça va. Mais s'ils savent que c'est croisé. C'est ça. Sly de Sly. Oui. La toute première devinette. Mon premier est une préposition. Prêt. Mon deuxième est un indice de beauté. Très prêt. Le tout forme un mot. Qui la galerie est là-haut. Oui. Ah ouais. On est passé par là. Ah oui. Ouais. Donc vous connaissez. Moi, je réponds pas. Non, t'as pas de l'indice. Non, donner l'indice. Non, nous, on n'a pas le droit de jouer. Non, de mais c'est toi l'invité du jour. Non, moi, je t'ai dit que c'est animatrice. Tu es animatrice. C'est toi l'animatrice du jour. Bon, vas-y, donne. Voilà. Reprends. Mon premier est une préposition. Une préposition. OK. Et mon deuxième est un indice de beauté. Le tout forme un mot. Qui suis-je? Lolo Beauté. Beauté. Lolo Beauté. C'est la faute. Lolo Beauté, comment? Attention. Non, il y a beauté dedans. Oui. Indice de beauté. Il y a beauté dedans. C'est quelque chose que tu utilises
très souvent au quotidien. Voilà. Au quotidien. Mmh. J'utilise au quotidien. Ouais. Ah bon, hein. Et moi, je vais aller plus loin pour te dire que quelque chose que qu'on retrouve généralement, peut-être dans la cuisine et devant la maison. Mais en même temps, pour t'aider, qu'on appelle ça. Et quand tu as mémoire, c'est bien. Moi, je ne suis pas très fort dans les devinettes. On a parlé de la préposition. La préposition, c'est un mot que tu utilises souvent pour désigner quelque chose qui appartient à quelqu'un. Quand tu veux dire que cette chose appartient à quelqu'un, il y a une préposition qu'on utilise. Dans la cuisine et devant la porte. Ah ouais, non, c'est pas un tapis. Non. Non, quand tu dis devant la porte, c'est vraiment devant chez toi. Devant ta villa, forcément devant. Tu as trois propositions. Slide. Tu as déjà dit un tapis. C'est pas la bonne réponse. Je te laisse répondre. Attends, deux fois je dois encore les indices. Et cette fois-ci, si tu trouves pas, je te pose un gage. D'accord. Généralement, quand tu cuisines, quand tu as fini de cuisiner et que tu veux rendre ta cuisine propre, tu fais appel à cette chose. C'est le savon. Ça. Non, c'est pas ça. On ne lui donne pas la réponse. On lui donne les indices. Un autre indice. Souvent, quand tu veux le sortir. Quand tu veux sortir la devinette. Non, il n'y a pas beauté dedans. La dernière, tu as trouvé. Quand tu veux sortir la devinette de ta cuisine pour l'emmener devant la porte, tu utilises souvent un sac. Sac poubelle. Et un sac poubelle. Oui. Mais le mot c'est quoi? Mais comment on peut trouver un sac poubelle devant la porte? Non, justement le mot c'est pas un sac poubelle. Le mot c'est quoi? C'est le sac de poubelle. Tu es devant, tu es vraiment, t'es pas loin. Tu as dit qu'on utilise un sac poubelle pour aller mettre ça sac de beauté. Dans la poubelle. Bon, donc le mot c'est. Ah, c'est la poubelle. Bravo. Slide. C'est pas fini. Deuxième devinette. Mon premier est un métal précieux, convoité par tout le monde. D'accord, je vois déjà. Ok. Diamant. Mon deuxième montre l'état de quelque chose qui résiste à la pression et au toucher. Qui suis-je? Ça, on l'a eu? Non. Ouais, je sais déjà qu'il y a or, métal précieux, convoité par tout le monde. Et le deuxième, t'as dit... Montre l'état de quelque chose qui résiste à la pression et au toucher. Résiste à la pression et au toucher. Et au toucher. Indice, il y a quelque chose qu'on peut toucher, évidemment. C'est un objet. Toi, tu es rentré dans la devinette là. Non, j'ai un indice. Jette pour les indices. Mais c'est pas à toi de me poser la question. Non, mais quand tu donnes la réponse, elle prend en fait. C'est pour ça que je dis. Qui donne l'indice à quelqu'un. Donc on touche à quelque chose qu'on peut toucher. Tout le monde peut donner des indices. Ah, ok. Mais sans donner la réponse. Quelque chose qu'on peut toucher. Oui, on peut toucher. D'accord. Donc il est matériel. On l'utilise au quotidien. Oui. Okay. On le produit même. On le produit. Ah bon? Oui. On peut nous-mêmes le produire. C'est pas la production musicale. Faut reprendre. À chaque moment. À chaque moment. Une minute. Ouais. Mon premier est un métal précieux. Orgasme. La femme l'a pas dit. C'est fort. C'est pas ça. 19 à 28 minutes sur Life Radio dans le grand show. Yeah, le show sans frère. Non, mais il a dit 19h. Excusez-moi. Faut faire comme si tu n'as rien dit. Les enfants, couchez-vous là-bas. D'accord. Mon premier est un métal précieux convoité par tout le monde. Mon deuxième montre l'état de quelque chose qui résiste à la pression ou au toucher. Ça résiste comment? Moi, je ne sais pas comment ça résiste au toucher. Oui, ça résiste à la pression ou au toucher. Mais où au toucher, là? Résiste au toucher. Au toucher. Ah, c'est pour ça que c'est arrivé l'autre côté, là. On touche à quoi? On touche avec quoi? Avec les mains. Les mains, voilà. D'accord, donc ça résiste aux mains. Voilà. On dit que ça montre l'état de quelque chose qui résiste à la pression et au toucher. D'accord. L'état de quelque chose qui résiste. Mais donne des indices maintenant. Oui, c'est ça qui est résistance, là. C'est quelque chose qu'on produit tous les jours, il a dit. Oui, non, ça ne peut pas être le feu, puisqu'il dit au départ, il y a un truc qu'on convoite, le métal qu'on convoite. Oui. Donc, du coup. Il y a beaucoup de métal. C'est vraiment du métal, c'est ça? Il y a du métal. Indice encore, pardon. Non, attends, on va donner 10. Ok, d'accord. Il y a vraiment du métal. Il y a du métal, comme elle a dit. Et le deuxième, là. C'est ça, il résiste au toucher. Il résiste au toucher. Oui. Quelque chose qui est solide. Ok. Vous facilitez. Quelque chose qui est solide. Slide. Oui. Faut pas trouver là. On dit c'est quelque chose que tu produis toi-même. Tous les jours. Tous les jours. Tout le temps. Ouais. À tout moment. Même quand elle est arrivée, même elle a produit tout à l'heure. Elle a produit. J'ai produit ça. Oui. C'est où? Tu vois que je le mue. On va y aller. On va y aller. Ok. La réponse est ordure.
Ah, ouais, à quel moment il est produit? Ah, ok, d'accord. Quand tu prends qu'on appelle les clinistes, et on n'a rien produit. Mais c'est devenu un on n'a rien produit ici. Donc tu vois, vas-y, le gage. Voilà, le gage, tu vas choisir. C'est même pas efficace. Et c'est là, très efficace. Donc on produit ça comment? Oui, oui. Tu produis ça tout le temps. Ah, dur. Oh, il dure. Et puis encore, j'ai fait un truc très simple. On a parlé de poubelle. De la poubelle à la maison. Tu vas voir ce qu'il y a dans le gage. Voilà. C'est ce que tu attends. Si, si, vas-y. Oh, slide. C'est chaud, Oli. Ok, ok, donc. Oli, tu fais. Oli, t'as écrit quoi? Hey. Vous vous êtes entendu ici? Attends, je vais voir. Non, je vais lire. Ok, vas-y, vas-y. Moi, j'en ai un mot dedans. C'est vrai, avec conseil, on sait jamais. Ah, vous dites de moi. Non, mais moi, je connais le contenu de tout ce qui est ici. Là, il fait chanter un. Des chroniqueurs, fais chanter une de tes chansons à un des chroniqueurs. Ouh! Ah, wow. C'est pas ce qu'il y a écrit. La vessouille! Non, 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 c'est pas ce qu'il y a écrit. J'ai choisi à lui! Chante une de mes chansons. T'as laissé le même tendu, c'est là? Attends, que je jette un coup. Tu m'as donné, non? Oui, ah, oui. J'ai lu! Oui. Chante une de mes chansons. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, cette émission se passe bien. Tout va bien. Cette émission se passe bien. Tout va bien. Nous sommes avec Slide Slide. Tout va bien. Je suis venu à chanter comme ça, tu t'aurais aimé. Tout va bien. Je dis que c'est facile. Non, mais Ricky, sauf qu'en réalité, c'est pas toi qui dois chanter en fait. Ouais, c'était qui a chanté une de ces chansons? Non, moi, parce que j'ai changé la phrase là. Donne-moi, il a dit ça. Je peux pas, j'ai fini de lire. Quelque chose on dit, faut chanter. Faut séparer tes dents. Non, 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 non. Mais ça, c'est dit par la brèche. De chanter là. Sans séparer les dents. Et donc, tu colles tes dents. Ça, il a chanté. Petit chien. Non, vas-y, vas-y. Vas-y. Toi, Bravo! Ça a été facile. Bravo! Ça sentait pas. Allez, merci, Mr. Abby, pour le show sans fin. Abby! Faut prendre ton tabouret. T'as pas aimé quelque chose, s'il te plaît. T'as pas aimé quoi, dis-moi? Hier, Abby n'était pas là. Il y a eu Abba. Au moins, tu lui dis qu'Abba était là. Oui, Abba était là. Oui, Abba, sans saluer, frère. Allez, je te vois. On y va. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sly de Sly qui nous donne rendez-vous. C'est en octobre, non? Oui. En octobre pour un gros concert. Un gros concert, on va y revenir. Mais juste le temps de permettre à Econ de t'emmerder un peu. Voilà. Avec Econ... une situation chaude, ah, ouais, on va s'emmerder. Non, t'inquiète, on va essayer de te mettre face à des situations et il faudra que tu fasses un choix et tu nous expliques pourquoi ce choix-là. D'accord. C'est vraiment, je pense que la réponse sera dans la question. Okay. Donc, Sly, en ce moment, quelqu'un, enfin, là, t'es au top de ta carrière, il y a un concert qui est prévu pour le mois d'octobre, mm-hmm. On a hâte d'y être, mm-hmm. Il y a un album aussi qui arrive très très bientôt, t'as dit le mois prochain, hein. Mm-hmm. Un album, sauf que là maintenant, il y a le cœur qui a ses raisons que la raison ignore. D'accord. Un Richard. Attention. Il est suspendu même. Il est suspendu. Il arrange sa chemise. Il plante quand il arrive comme ça. Donc il te voit et dit, ah ma chérie, il va falloir que tu fasses un choix. Moi, le showbiz, c'est pas trop ma tasse. Je pouvais que je vais te donner un bon boulet, blé. Tu as fait ce que tu veux, genre entreprendre et balader, voilà. Donc tu fais un choix. Ou bien tu arrêtes ta carrière. Est-ce que tu vas arrêter ta carrière? Ou alors le quitter? Tu fasses le un quitter, choix. Le choisir ou le quitter, je ne suis pas avec lui. Non, lui, là, il te dit que voilà ce qu'il faut pour être avec moi. Moi, j'ai le blé, moi, je n'ai pas envie que tu continues ta carrière. Le showbiz et moi, ça ne marche pas. Je peux te donner du blé pour que tu fasses un commerce, que tu sois une femme accomplie. Et tout. Tout est à ta disposition. Sauf qu'il faut que tu arrêtes la musique. Il faut que tu arrêtes la musique. Tu arrêtes ou tu. Je pense que les Ivoiriens sont témoins de l'abnégation dont je fais preuve. Okay. Mm-hmm. Yeah. Donc je n'arrêterai jamais la musique. Ah, c'est vrai que c'est de la plaisanterie, mais là, au-delà de tout ça, on apprend un peu temps à connaître, à se plonger en plein cœur des valeurs que la personne incarne. C'est important. En parlant de valeurs. Donc là, maintenant, on va corser un tout petit peu. Tu marches avec ton oncle que tu aimes fort. Tonton Gaspar. À ce moment, t'entends la clé. Dans la clé. La clé. Dans la clé. Vous marchez comme ça. Et puis, arrivé en plein milieu de la route,
une mallette pleine d'argent. 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 Ça veut dire qu'elle manque, non, c'est pas du jeu d'argent. Donc, il y a jusqu'à 15 millions dans la mallette. C'est ça qu'elle a l'argent beaucoup là. C'est un peu quand même aussi. Mais c'est 1 euro, c'est pas français. Oui, c'est 1 euro, c'est ça aussi. Donc, elle a fait là. Mais c'est 1 euro, hein, c'est 1 euro. C'est 1 euro, hein. Ah, 15 000 euros. 15 millions d'euros. Ok, t'entends la clé. Je vois déjà ce qu'elle fait. T'entends la clé. J'ai appris l'entendant la clé. Bien vu que j'ai appris l'entendant. Tu as ouvert, même il a vu le blé dedans. Tu lui donnes combien dans les 15 millions d'euros? Tenons la clé. Entends-moi, tenons la clé. Je vais m'expliquer un problème de 50 000. Tenons la clé. Hein. Il est venu me voir parce qu'il veut 50 000. C'est ça. Et puis moi, il trouve 15 millions d'euros. Tu donnes 200 000 à donner la clé, il est content. 200 000, tu, 200 000, il a tué 15 millions. Tu vas donner au moins 1 million d'euros. 200 000, c'est combien? C'est 200 000. Non, 1 million, c'est trop. Et attention. C'est 15 millions d'euros. L'argent virtuel est. Tu peux donner 1 million CFA à ton nom la clé. Mais ton nom la clé, c'est trop le problème. Il y a produit, il y a l'album, il y a tout fait. Et qu'on a suivi. Il va jamais oublier ça. Il va jamais oublier ça. Non, ton nom la clé, c'est que c'est trop gentil. Allez, donc là, on te propose, on sait que tu as parlé d'enfants et tout. Tes enfants, c'est des diamants, c'est des choux. Ils sont trop choux avec toi. Oui. Sur les réseaux, on en voit. Il y en a un qui se lance dans le mannequinat. Et donc là, maintenant, on te propose une somme, vraiment beaucoup d'argent. Bon, là, on est en euros, mais c'est vraiment beaucoup d'argent. D'accord. À ton fils. Vous avez beaucoup d'argent ici. Pour tourner le rôle du diable dans un film. À mon fils? Oui. Pour que mon fils joue le rôle du diable dans un film. Oui. Il va tourner, ça reste un film. Ouh. D'accord. Ouais. Allez. Non, mais on est des acteurs. C'est comme un grand acteur joue un rôle. Ça reste un rôle. Après, la personne redevient lui. D'accord. On a posé ça ici, non? Rôle de vision, on donne 1000 francs. Et puis, rôle de 100 ans, on te donne 10 millions. Oh, après, ne. N'exagérons pas. Voilà, n'arrivez pas dans le truc. N'allons pas voir. Fais le choix. Fais le choix. Le choix de quoi? On dit, il joue le rôle de Jésus, on donne 1000 fois. Le rôle de Satan, tu as 20 millions. On me cache. Elle dit, vas-y, c'est le rôle. Le rôle de qui? Ça, c'est un rôle. Tu as dit, c'est rôle. Deux rôles. Slide. Merci, bon, Colin, franchement. Ciao. Et continue, tu es une. À plus, on va là-bas. Ah, d'accord, très bien. Si, tu veux tout voir? Non, c'est ça. Tu aimes? Ouais, si, tu aimes? Ok. J'adore. Très bien, voilà. Veste, t'as donné le bochon là. Veste, t'as bochon? Ça donne des bochons. C'est pas vrai. Slash, on va parler de ton actualité. Tu nous as sorti un super single. C'est pas facile. Tu ne vois pas. Pardon, c'est bon. C'est facile. C'est ma vie difficile. Je dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, vas-y, comme toi. Regarde ce qui va se passer. Elle a dit quelque chose. Elle a dit quoi? C'est facile de porter une veste croisée. Si. Tout est facile. Bien mis, ouais. En réalité, tout est facile. Non, ça va. Je travaille. Qui compliquons les choses. C'est ça, vous nous a dit là. Genre, on fait pas les bons choix, ça devient difficile. Sinon, tout est facile. D'accord. On dit pour arriver à la joie, il faut passer par la difficulté. C'est difficile. La souffrance. Il y a des petits joies. La petite joie. Et puis, il y a morceau par morceau et il y a les grandes joies. Ouais, c'est ça. La souffrance. Je vais vous rappeler des choses. On est dedans. Ok. Vas-y. Yo. Joe, c'est-à-dire quoi? C'est un gagnois. Un slide de ça, tu viens de gagnois, non? Mais quoi? Où? Gagnois, oui. Gagnois. BT de gagnois. BT Beatles. Ouais. Beatles dans le sang. Beatles. Si tu n'es pas américain, sois au moins BT. Et voilà. Les baoulés vont s'imaginer. Slide, voilà. Ça, c'est le dapou. La blague, elle a fait un super star. Baoulés sont super stars. Baoulés fait ça avec un bon. Au moins, il faut avoir un guéri dans ta vie. Franchement. Slide. Pardonnez. Attention, moi, je vous suis. Slide, dis-moi. Slide, voilà, cette musique-là n'est pas anodine, franchement, c'est le tabouret chaud. Voilà, question directe, réponse franche, voilà, c'est maintenant. Tu me diras, quel est ton ressenti quand des chanteuses de votre génération, de cette nouvelle génération, se font appeler diva? Après, moi je dis, chacun se donne l'appellation qu'il veut. Et puis, il y en a qui méritent le titre de diva. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. Parce que chaque artiste donne de la contenance et de la valeur. Okay. Après, on sait ce qu'on vaut. Après, moi, par signe d'humilité, je ne me donnerai pas de nom parce que j'aime que le public me le donne. Maintenant, après, ce qu'il se donne à un moment donné, je pense qu'il le mérite aussi. Ok. Ouais. C'est pas trop galvaudé, cette appellation-là ou, Comme je dis, chacun son ressenti. Chacun son ressenti. D'accord, c'est pas... Ok, bon, enfin, on a dit chacun son ressenti. Dis-moi, tes rapports aujourd'hui avec les chanteuses ivoiriennes, on en parle? On en parle de très bons rapports. Il paraît qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Après, comme je le dis, il y a l'hypocrisie quand tu
est trouvée mêlée à beaucoup de choses. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, je joue le rôle de grande sœur pour la nouvelle génération. Mm-hmm. Donc, je ne peux pas me retrouver au milieu de scandales parmi mes petites sœurs, tu vois. Mm-hmm. Donc, quand j'arrive, j'essaie de garder ce petit respect-là, tu vois. Quand on se voit dans des occasions, on se dit bonjour, comment ça va. Après, chacun sa vie. Slay, c'est quoi ton genre de mec? Mon genre de mec? Mm-hmm. En fait, comme je le dis toujours aux gens, moi, c'est au feeling. J'ai pas de genre. Sérieux, pour de vrai? Pour de vrai. Grand détail, petit détail, mince, gros. J'ai pas ce truc là. Avec un ventre et tout ça. Tu peux être très beau et puis ça passe pas. Mm-hmm. Parce que pour moi, c'est pas la beauté, il y a autre chose. Il y a autre chose, les quand manières. Quelqu'un te plaît, c'est au feeling. Ça vient, au la feeling. Personne peut être assis pour vous regarder, le feeling passe tout de suite. C'est quoi, je t'inscris au vrai match par rapport au feeling. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que vous avez fait au musée, vous trouvez ça normal. Ok. Vous triez les uns selon les. Slide, dis-moi. Ça m'a arrêté. Dis-moi, tu as un cœur à prendre? Mon cœur? Mm-hmm. Non, il est serré d'une manière. Là. Serré d'une manière. Il faut plus passer les cheveux là. Il va avoir Kadena là. Mm-hmm. Ah, ok. Tu as marié là, c'est ça? Il va avoir Kadena là. Mais là, tu as une bague là. C'est quoi? C'est une bague de quoi? Mariage, fiançailles? Toujours. Tu as marié cela, c'est ça? Mais pourquoi tu fais comme ça? Mais voici Kadena là, la paix, quelque part là-bas. Tu peux faire abonner à moi. Mais attends, tu as quoi avec ma veste? Plaît. Ça te plaît, y a pas de moi soucis. J'aime les gens coquets. Ok, ça fait plaisir, d'accord, merci. Ok, parce que d'accord. Tu te prends au sérieux, tu prends ton travail. Exact. Comme ceux qui ont parlé chez nous, les barbés là. Mais c'est un barbier. Ils aiment chez nous, pas de façon. Non, ça dépend. Aujourd'hui, bon, les gars, aujourd'hui, j'ai décidé. On va calmer les choses, c'est chaud, vas-y. Aujourd'hui, j'ai décidé. On va calmer les choses ici, c'est chaud. Une chemise Hawaï pour me détendre. Hawaï, c'est Hawaï. Hawaï, je pense que Hawaï, la dernière fois. Hawaï, normalement, ça doit être en plein mardi. Ah ouais, plein du corps. Pardon. En plein mardi. Attends, non, on a fini le tabouret chaud. Voilà. J'ai chacun signé. Oui, tabouret chaud. Oui. Bon, en fait. Tu as pas signé. Oui. Il y a eu un béret. Après, ça, tout le monde a parlé de ça. Ça fait du buzz et tout. Mm-hmm. Une certaine influenceuse Sam qui a été comparée à Tata Naomi. Mm-hmm. Ça fait du bruit et tout. On le sait dans le temps. On te comparait beaucoup à José. Mm-hmm. Si on te dit aujourd'hui que quelqu'un fait un commentaire pour dire Slade Isler ressemble à José, ça serait quoi mais ta réponse? Moi, on le dit tous les jours. Mm-hmm. Et après, ça te froisse pas? Pourquoi veux-tu que ça me froisse? Après, je peux pas enlever mon visage, comme je le dis à une émission sur une chaîne de télé. D'accord. Si on te compare à quelqu'un qui fait des choses qui ne plaît pas à un prisonnier de guerre, là, il y a un problème. Mm-hmm. Après, c'est Dieu qui fait les gens deux-deux. Mm-hmm. Tu ne peux pas dire, à un moment donné, ça va être agaçant, forcément. Mm-hmm. Parce qu'on va le dire tous les jours. Mais à un moment donné, toi-même, tu vois la réalité. Mm-hmm. Tu vois. D'accord. Moi, je ne trouve pas ça. Je n'ai pas trouvé intéressant qu'elle ait mal pris au point de sortir, de tenir des propos désobligeants. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être agaçant qu'on te compare forcément à quelqu'un. Mm-hmm. Mais il faut avoir de la retenue face à certaines choses. D'accord. Mm-hmm. Ici, on n'a pas de retenue parce que la chanson, elle est très, très belle. C'est facile. C'est facile. Et on va faire son show. Et on va se réécouter encore cette chanson, justement. D'accord. On va donner deux rendez-vous essentiels. Mm-hmm. Fin août, la sortie de l'album. Et octobre. 19 octobre, Palais de la culture d'Abidjan. On l'a mis 5 places. Oui. Voilà, salle climatisée, VIP comme tu l'as toujours. Bonnes choses. D'accord, très bien. On s'écoute, c'est facile. Hein. Oui. Voilà. Facilement comme ça, c'est toi qui gâtes mon nom. Tu ne me connais même pas, mais c'est toi qui gâtes mon nom. Ce n'est pas de ta faute, le chômage a pris le dessus. Sinon quelqu'un qui est occupé, il n'a pas le temps de ça. Dans le fond, tu as envie d'être à ma place, oh. Mais comme tu peux pas, tu mets ta gamme sur moi, eh. Tu prends pas le temps de vérifier. C'est vrai, c'est faux, c'est pas ton problème. L'essentiel pour toi, c'est de gâter mon nom. C'est facile, oh, de gâter mon nom. C'est facile, de gâter mon nom. C'est facile, oh, là, tu peux danser, hein. De gâter mon nom. Même si c'est vrai ou faux, c'est facile, oh, de gâter mon nom. Allez, tout le monde, debout. Vous êtes obligé de prononcer mon nom pour pouvoir avoir des vues. Ah, ça. Vous
prenez pas le temps de vérifier. C'est vrai, c'est faux, c'est pas votre problème. L'essentiel pour vous, c'est de garder mon nom. C'est facile, oh, de garder mon nom, c'est facile. De garder mon nom, c'est facile, oh, de garder mon nom. Même si c'est vrai ou faux, c'est facile, oh, de garder mon nom. De garder mon nom, c'est facile, de garder mon nom. Garder mon nom, si vous voulez garder mon nom. Si vous voulez gâter mon nom, gâter mon nom. Si vous voulez gâter mon nom, tant que j'ai au contrôle. Si vous voulez gâter mon nom. Sassi Meko Franck Yannick Kessé Daniel. C'est facile. Et il me siaka, on y s'en y a brignoyen. Et il faut y en la gomme, on pagne y nure. Bon, vous faites pousser, vous faites facile. Ah, attends, vous aimez ta fille. Vous faites facile. Vous faites facile. Vous faites facile. Tu veux qu'elle fasse? Non, non, ça, je suis la jovent que vous mettez dans le sens pour donner du goût. Sans moi, votre vie n'a pas de saveur ni de coloration. Vous êtes obligé de prononcer mon nom pour pouvoir avoir des vues. Vous prenez pas le temps de vérifier. C'est vrai, c'est faux, c'est pas votre problème. Le refrain. L'essentiel pour vous, c'est de gâter mon nom. Le refrain. C'est facile, de gâter mon nom, c'est facile. De gâter mon nom, c'est facile. De gâter mon nom, c'est facile. Même si c'est vrai ou faux, c'est facile. De gâter mon nom, de gâter mon nom, de gâter mon nom. Allez, slide, slide, bye bye. Ciao, ciao, voilà.